Située au centre-ville de Lomé, dans le quartier de Bé, l'école Vivenda des Sourds est créée en 1995 par le pasteur Etiko Tété Kokouvi et compte au jour d'aujourd'hui 74 élèves sourds. Cette école rencontre des difficultés sanitaires. Je suis Etiko Tété Kokouvi. Je suis le directeur fondateur de l'école Vivenda des Sourds, une école qui s'est spécialisée dans la scolarisation des enfants handicapés auditifs. Nous avons un problème sanitaire. En réalité, il faut reconnaître que notre école est installée dans un local qui était une habitation personnelle. Et nous avons transformé les chambres en salles de classe. Tout simplement parce que nous n'avons pas de moyens pour nous installer ailleurs. Maintenant, nous avons un sanitaire, c'est-à-dire des WC qui sont réservés uniquement pour un usage d'un domicile. Mais maintenant que nous sommes une école et que le nombre des élèves est devenu important, et nous avons des difficultés pour pouvoir gérer alors ce sanitaire-là. Actuellement, nous avons deux cabines pour les élèves, une pour les filles et une pour les garçons, et une troisième cabine pour le personnel. Mais c'est que les cabines ne sont pas bien aménagées, et elles ne sont pas carrelées, ce qui rend l'hygiène ou bien ce qui rend la propriété difficile. Nous avons des difficultés pour pouvoir nettoyer et mettre en ordre les cabines. Les élèves ont des difficultés aujourd'hui à venir tirer de l'eau dans un puits pour aller chasser les matières fécales qui sont déposées. Et cela, nous avons constaté que ça devient en quelque sorte une corvée, surtout pour les enfants qui sont encore petits. Ainsi, pour aider l'école Vivenda des Sourds dans la reconstruction de son cadre sanitaire, l'artiste philanthrope ougandais américain Gabriel Gray-Lamensan organise une exposition et vente d'œuvres d'art à l'Institut français de Lomé. Je suis un artiste uruguayen-américain. J'ai étudié l'art de manière formelle pendant 9 ans. 6 ans dans l'université publique d'Uruguay et 3 ans dans différents instituts. Actuellement, j'applique toutes mes connaissances et mon expertise au service de la communauté à travers différents projets et activités. Visage du Togo, c'est un exemple. Cette activité est composée de deux parties. La première partie et l'exposition et la vente de soubres dans la galerie. La deuxième partie est le don de la totalité de recettes à l'institution sélectionnée. Dans ce cas, il s'agit de l'école Vivenda. C'est une école qui travaille avec des enfants qui ont des capacités différentes. Enfin, nous utiliserons l'argent pour améliorer la qualité du bâtiment. Vivre avec des microbes pour nuire à la santé des enfants et par conséquent à leur fréquentation scolaire. L'hygiène est très importante. Aujourd'hui, à l'ère du coronavirus, nous devons nous protéger. La participation de chacun de nous est très importante parce que ce projet d'amélioration de la qualité des latrines de l'école Vivenda ne pourrait vraiment pas être possible sans l'aide
de nous tous. L'amélioration de la qualité des latrines serait un atout pour les élèves de l'école Vivenda des Sourds. Notre problème avec les toilettes est que nous aimerions avoir des toilettes mieux équipées pour de WC en bon état, des chasses d'eau assorties, ainsi que des lavabos et des supports papier hygiénique. Car le manque d'eau dans les toilettes rend l'entretien difficile. Nous sommes obligés d'aller chercher de l'eau au puits pour les besoins. Or, cette eau aussi n'est pas potable. Nous serons très heureux si ces besoins étaient comblés. Nous exhortons donc le public participant à l'exposition et vente des tableaux de M. Gabriel Gouela-Messa à les acheter, car les recettes qui seront dégagées de cette vente-là seront destinées à la réalisation des travaux de réfection de notre cadre sanitaire, ce qui nous permettra de maintenir une bonne hygiène au sein de notre école et en faveur des élèves, surtout en cette période de grande pandémie.